Dans un groupe d'amis, il y en a toujours un, on ne sait pas vraiment pourquoi il est là. Et plus les années avancent, plus tu oublies de qui c'était l'ami à la base. Ça vous arrive très certainement aussi. Parfois, tu as un dîner avec des amis et tu te dis, lui, heureusement que je le connais depuis longtemps, sinon on ne serait pas forcément devenu ami plus tard. Euh, en fait, je l'aime bien parce qu'on est amis, mais on n'est pas forcément amis parce que je l'aime bien. Moi, j'ai fait le bilan récemment. J'ai un groupe d'amis dans lequel on est, on est 10. Euh, je pense que dans le lot, il y a deux cerveaux. Et je m'inclus même pas spécialement dedans. Hein. Il y en a déjà... Un, on s'est tous accordés sur le fait qu'un jour, on va le perdre dans une soirée déguisée et qu'on va le retrouver dix ans après sur une plage en Thaïlande avec le même t-shirt que quand on l'avait perdu, en train de dire, mais bien sûr que c'est légal d'avoir un tigre de compagnie, madame. Euh... <laughs> Moi, j'ai un ami, par exemple, qui s'appelle Hubert, euh, que j'aime et que je salue, euh, bien évidemment. Là, il est 11h30, il doit être assis sur un canapé en train de se demander quelle est la différence entre un bon et un mauvais chasseur. Et dans un mmh. groupe d'amis, il y en a toujours un qui te fait dire, si un jour, pour sauver l'humanité, il faut en sacrifier fier 1, et ben moi c'est Hubert voilà. euh, oh, <laughs> la dernière fois j'ai essayé de faire un pas vers Hubert